Bon, les amis, j'ai un problème. J'ai perdu le contrôle de mon modo. Il fait n'importe quoi, il tweet des trucs incroyables. Mais pourtant, c'est des évolis. C'est juste parce que j'ai réussi à un petit boulet qui ressemblait à Twilight Sparkle. Voilà. Voilà, ça y est, c'est parti en couille. J'ai reçu un petit boulet, ça tourne mal. C'était payé. Non! Arrête avec ça. Je regarderai pas. Je vais perdre, je vais avoir des drops. Non, je regarderai ça pendant la pause. Je m'en rappelle. C'est les génériques de My Little Pony, merci, je les ai entendus comme ça. Bon allez, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Donnez-moi un Pokémon badass qu'on puisse oublier cette histoire de MLP. Non, ça devait être interdit. Tito de Chili. En région métropolitaine ou dans le genre. Bravo, tu as gagné un magnifique Evoli comme tous les autres. Pourras le faire évoluer en ce que tu veux. Oui, ben voilà! J'ai cliqué dessus ou pas? Non. Voilà, j'ai un Porygon, c'est bon. Pato XD. Un grand merci à toi, mec. Tu as fait un heureux, merci. J'avais pas le Porygon en plus, hein. J'ai eu le 2 et le Z en vue. Et je crois que j'ai ce qu'il faut pour le Porygon 2, mais j'ai pas ce qu'il faut pour le Porygon Z. En tout cas, j'en ai un des deux. Il vient d'Akala en plus. Un Pokémon artificiel créé il y a 20 ans. Le jeu Pokémon date d'il y a 20 ans. Hein. Bon, ben, il va y avoir de l'échange à faire sur le Porygon parce qu'il évolue que par échange. Il faut qu'il tient toujours un objet, alors je sais plus si c'est tel ou tel CD. Je sais qu'il y a l'améliorateur et le CD. Le courant contre le den de Porygon? Oui, mais je sais plus où, mais bon, je suis content d'avoir un Porygon! J'ai le droit d'être content! Le mec en face, il a un Evoli! On le donne aussi, l'Evoli! Faut qu'on le fait évoluer, l'Evoli. Plus facilement, d'ailleurs. Sauf l'un d'eux. Je sens qu'il va y avoir des gens, ils vont écrire sur les chaînes internet. Ne vous connectez pas le lundi soir, il y a un trou du cul de streamer, youtubeur, il échange des évolis. Donc si vous en voulez pas, faites éviter les échanges miracles le lundi de 21h à minuit. Parce qu'il fait que ça, hein, le mec. Il est casse-couille. Bonjour mademoiselle, tu as le droit à ton évoli. J'ai un Pichu encore. Attention, j'ai eu un Pichu chinois, je vais avoir un Pichu. Allez, le Pichu, il est français. C'est l'opening de mon petit poney. Je le savais, c'est pour ça. Pas des rétros. Ils mangent des arcs-en-ciel, ils font caca papillon. Ah, oh, c'est un Pichu français, j'en veux pas. Merci, au revoir. Non, on les change pas. Changera discrètement. Si on n'avait rien vu. Je suis si drôle. Non. Comme Laurie, ça, c'est pas drôle. Je pense que c'est drôle, mais ça ne l'est pas. J'adore, ce sont les échanges, ça devrait être interdit. Ah, Canada encore. Je crois que c'est le même. Il va avoir le droit à son cinquième évoli. Et je vais recevoir un magnifique Magikarp masculin, il a des moustaches jaunes. J'ai déjà fait évoluer un Magikarp étranger, je vais en avoir le droit encore. C'est pas des rétros, c'est du démon. Ah désolé mais ce Magikarp là il a l'air tout ce qu'il y a de plus anglais là. Ça me plaît pas. Là ça y est ça commence un échange de merde. Le jour où vous faites un échange miracle de 6 ou 7 Pokémon et que vous tombez pas sur un Magikarp, GG à vous. Il est anglais, j'ai déjà fait. Putain. Bon bah c'est bon à l'échange ça. Onaito doit être content, il a reçu un Léviator anglais. Il a préféré un Magikarp italien ou espagnol.
Grâce à moi, tu as une communauté sur le dos. Putain. T'es sérieux? Tu veux dire que mon Twitter il est en train d'être pourri de. Oh, sérieux? Oh là là. On va avoir du taf, moi. Heureusement qu'il y a une donation aujourd'hui. Les top dressers sont super. Waouh! Juste une Allemagne. À Brandebourg. Au revoir, Evoli. J'étais très content de te voir éclore, mais quand j'ai vu qu'il n'était pas shiny, j'étais déçu. Pokéball. Une serpillère encore. Qui veut sa serpillère? Je vais faire un trafic de Ponchio. Un Yorkliffe. Vous appelez Yorkliffe. C'est Yorkshire qu'on dit, pas Yorkliffe. Non, je suis pas allé sur le Twitter. Ouais, ça va. Je vais vérifier quand même le Twitter. Ça sent l'urgence quand même. Alors, le Ponchio, il est comment? Il est allemand. Je crois que j'en ai un déjà. Non, il est espagnol. Oh, super. J'ai pas mal de pages. Merci. Ça, c'est un Evoli mâle. Voilà. En plus, c'est le numéro 123. Evoli mâle, toujours. Hein. J'ai que des mâles. J'ai pas de femelles. Désolé. Après, démerde-toi pour faire un gros tri de tout ce que tu as reçu. On cherche dans le monde entier la perle rare. Le team à l'Allemagne. Ah, je vais avoir plein d'Allemands, c'est bien. Mon jeu va être corrompu, il va devenir allemand. Pokéball. Ah, voilà. Un Picasso. Oui, c'est comme ça que j'avais nommé. Il s'appelle Pikipek. Mais t'inquiète, je vais m'en prendre soin. Je vais le faire évoluer tranquillement. Bon, je pense que pour beaucoup, c'est pas fameux ce que j'ai eu, mais bon, moi je suis très content. Un anglais. Ouais, je crois que je vais pouvoir le faire évoluer tranquillement. Mais je crois que j'ai déjà la page de son évolution en anglais, il me manque plus que le bazookan. Finalement, qui m'a donné un anglais. J'étais juste mentionné. Ah, tout va bien. Ouh, il a pas été jusqu'au bout de sa bêtise, tant mieux. Ne lui donnons pas des idées. Essayons de calmer notre modo. C'est tranquillisant. Aidez-lui à être tranquillisant. Et qui sera le prochain? Lara, Espagne. Je suis un maître Pokémon et tu aimes le type dragon. Ouh. Et quand il y en a un qui m'a dit j'aime bien les karatéka, j'ai eu le droit à un Pokémon karaté, un Kradagaire. Donc ça, si tu aimes le type dragon, je pense qu'on va être bien là. Ah ouais, t'aimes les petits dragons, c'est pour ça que tu me donnes un Goélis, c'est cette merdie qui pourrit. J'ai voulu bien en plus. J'ai mis hashtag divertiforever. Je crois que j'en ai déjà un. Ou je l'ai changé avec Koro, je crois. Non, j'ai pas échangé de Goélis. J'ai pas été vache au point d'échanger des Goélis. Alors, il est anglais. Il faut vraiment que je fasse du tri. Hein. Quel bordel, mes boîtes! C'est le Goélis, d'accord. Mais d'où qu'il est, le Goélis? Il n'y en a pas d'autres. Mm-hmm. Ah non, j'ai été vache. Je crois que je lui ai changé mon Goélis. Enfin, toujours est-il que j'ai le droit à ce Goélis-là. Et anglais, qui va être la prio à faire évoluer, du coup. Bref, mon Goélis français. Non, je vais pas faire de trucs du genre. Mouais. Mais à force, on doute un peu. Mais bon, j'ai confiance. Sinon, t'aurais jamais été modo. Bonjour, incroyable, Félix, Allemagne. Bonjour à toi.
Ouais, je commence à croiser tellement de monde que je crois qu'il y a des pseudos que j'ai déjà vus, je fais pas attention, je lui redis bonjour. Ou pardon, je veux dire bonsoir. Pas bonjour. Oh là là. Entre toi qui m'envoie le message, là je reçois un loup-garou nocturne, c'est mon deuxième. Wolverock. C'est un anglais. Le channel a été coupé par un modo. D'ailleurs, comment ces conneries. On remet le chat. Je sais que Kirito il parle pas, mais bon. Ah non, il est allemand. On va bien. Onaito, remets le chat. T'as pété un plomb ou quoi? Bon, pendant que Kurunaito essaie de résoudre ce petit souci, moi je vais continuer à me concentrer sur les échanges miracles. Un autre Fantominus. Bon, s'il a le moindre souci, il va m'envoyer un message privé. Le slash clear, c'est pour nettoyer les messages bizarres. Ouais, moi je l'ai toujours, hein, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je le vois, hein, il est très beau. Je crois que t'as été un petit peu trop fort. Hein. Alors, j'ai eu un Fantominus allemand, j'ai eu un Fantominus italien, allez, boum. Allez, j'ai deux Fantominus, il est quel niveau en fait? 14, ça prend du temps lui par contre. On va dire que tu t'es fait hacker ton compte là, c'est pas possible parce que tu as marqué le message que j'ai vu en rouge. Ah bon, calmez deux secondes hein, quand même. Bah tiens, pour me défouler, j'ai envoyé un évoli femelle, ça c'est encore pire. Ah, enfin, Matt France. Pokéball. Ouais, t'es tête. Jonathan. Quel message en rouge? Alors, disons que sur Chatty, le message que t'as envoyé avec les arrobases je l'ai vu affiché en rouge. Les trucs du genre se met en PLS ou fait truc ou truc, fait une action, je les vois en rouge moi. Allez, c'est vrai que j'ai eu plusieurs femelles d'affilée à la fin. J'ai fait flash clear, on est d'accord. Il y aura beau faire flash clear, je vois le message, hein. On est sur Chatty les règles sont différentes. Mais les messages ils restent jusqu'au bout. Hein. Même quand je banne quelqu'un, en fait les messages ils sont juste barrés. Je peux encore lire les messages. Bienvenue sur Chatty, petit logiciel où tu peux voir tous les messages. Donc certes, peut-être sur Twitch, les messages ont été effacés, mais sur Chatty, là par exemple, ça, tu auras beau le calmer, tu pourras beau le nettoyer, je le verrai, le jeu tête de Kirito. Tu peux nettoyer au Karcher, ça servira à rien, moi je le vois. Toi, tu le verras peut-être plus sur Twitch, mais moi je le verrai sur Chatty encore. On peut tout se dire, non, je t'adore. Jacopone, Italie. Mais bien sûr. Moi, je te dis que tu vas gagner ton Evoli. Félicitations. Je suis sûr qu'ici 10 ans, ça va prendre de la valeur. Un autre chenipan. Pas français, cette fois. Non, mais c'est un exemple. Il est japonais.
Oui, ouais, allez, japonais. Il y a une petite boule là en haut à droite des caractères. Donc j'en déduis qu'il est japonais. Je suis très content d'avoir eu un chenipan japonais. Il est japonais, c'est bon. C'est drôle ça, ça aurait été chinois. C'est bon. Merci pour ce chenipan japonais. Il va évoluer très rapidement. Hein. Il va évoluer en crise acier puis papillusion en même temps. Je suis pressé. Allez, on retourne avec un Evoli mâle. Pour l'instant, je suis quand même assez déçu. Je n'ai pas eu de... Oh, Lola, Lola. Le JD Love. Vous disiez, j'ai pas reçu encore de Pokémon national par rapport à la dernière fois. Malheureusement, je pense que c'est un petit peu mort pour les Pokémon nationaux. Merci Kourou d'en avoir échangé 2-3 quand même. Et une serpillère encore. Plutôt la boule d'amour. Oula. Un Ponchio. J'ai peur qu'il est français celui-là. Bon, je pense que quand je vais faire beaucoup trop d'échanges miracles, je pense que je vais réchanger les Pokémon que j'ai reçus en échange miracle. À mon grand regret, parce que ça se fait pas. Alors, cette serpillière est française, eh oui. En plus, c'est même pas de numéro ID, rien, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Allez, Evoli suivant, s'il vous plaît. Oh oui, là. Aïe, aïe, aïe. Il a réveillé Kirito, ça y est, c'est fini. Peut-être que Chani n'aime pas trop Donald. Donald Duck? Mais si. Donald Trump? Je sais pas. Mais je pense que tout le monde aime Donald Duck. J'aime les Pokémon plus que tout, fantastique. Ila, Italie. De Latium. Latium. Non, j'ai Team League avec une serpillière Made in France. C'est pas un balai espagnol. Ah, oh, Ramoulos. Alors dis-moi qui. Non, c'est la Roche Royale. J'ai encore peur. De... Ah, il a envoyé Jin Chan Chong. C'est un japonais. Il a les doubles barres sur le deuxième caractère. C'est un japonais. Non, c'est bon, il n'y a pas de Roche Royale, rien, tout va bien. Mais bon, il va falloir le faire évoluer, mais ça va être compliqué là. Que je vais le faire évoluer en Flagados japonais ou en. Je pense que je vais le faire évoluer en Flagados parce que j'ai pas complété. Et sans Pierre Ovale cette fois. Enfin, sans Pierre Stas. Oui, parce que j'ai essayé de faire évoluer un Ramolos qui tenait une Pierre Stas. Oui, j'ai le droit, non? J'ai vu qu'il a monté niveau 35 et qu'il a toujours pas évolué. Là, j'ai commencé à soupçonner ce truc. Une erreur est survenue. Oh merde. Allez, let's go. Désolé, tu n'auras pas ton Evoli. Oh, toi, étranger, que... En vrai, les petits fées sont beaucoup trop puissants. Depuis la sixième génération, oui, c'est normal. Ils ont complètement mis en PLS le top tier de l'époque. Mais qu'ils ont des points forts contre des types qui en avaient quasiment pas des faiblesses. Maintenant, ils ont la faiblesse fée, ça, c'est chiant. La grosse faiblesse des fées, c'est les poisons. Des Pokémon qu'on ne voyait quasiment pas. Mm-hmm, youhou, Astor, États-Unis. Au revoir, Evoli. Bonjour. Wouh. Wouhou. Je crois qu'il est national, celui-là. Finalement. Là, on a du beau. Là, ça me plaît. Allez, montre-moi ça.
Et le fameux le vénère des centres Pokémon de la 6ème génération. Mais oui, il est national celui-là! Il est niveau 1 masculin avec une Pokéball rose. Et il est anglais. Oh là là. Il a full 6 alors que moi mes Evoli ils ont une caractéristique à 5. Je suis très content de ce Pokémon, je le garde de côté. En plus il a une méga évolution. Non mais oui mais... Mais voilà! En plus, il a respecté le fait que parce qu'il est rose, allez hop, j'envoie une ball qui est rose. Je crois que c'était une love ball ou une merde dangereuse. Des balls qu'on n'utilise jamais, on utilise tous des hyper balls à la base. Quand on est débutant comme moi. Mais par respect pour le skin, il faut mettre des balls spéciales. Oui, mais... Bah non, non, bah oui. Encore! Moi j'aime bien parce que la dernière fois qu'il y a eu ça, j'ai eu le droit à un Pokémon national. Hop, oh, pardon. Ça arrive, y'a tout qui part en couille, tout va bien. Mais oui, c'est clair. Cette musique qui rentre dans la tête au bout d'une heure. Oh, encore un Sacha. Remplirai le Pokédex coûte que coûte. Les Pokémon sont mes amis. Ah, cette fois, c'est pas le même Sacha, hein, c'est un autre Sacha. Ou c'est le même Sacha, mais il a bien bronzé depuis. Et tu as gagné un magnifique Evoli. J'ai gagné une Pokéball. Ouh. Oh non, j'ai déjà fait Evoli la semaine dernière. Oui, parce que j'ai reçu un bébé Kai comme ça par l'échange miracle. Oh, putain, il est japonais. Enfin, j'ai pas bien vérifié. Oui, il est japonais. Il y a eu, sur le premier truc en haut à droite, il y a deux petits. Il est japonais. En disant mon expérience au bout de trois échanges, j'ai compris la différence. Bon bah. Il est bien japonais. Putain, je me suis en plus bien cassé le cul à faire évoluer ceci. Il était anglais, maintenant j'ai un japonais à faire évoluer. Ouh. Ça veut dire que je vais avoir une très belle page, lui. Oh, c'est... Ouais, ça me plaît. Ça me dérange pas de faire évoluer ces magnifiques dragons. Surtout que lui, ça va, c'est assez rapide. C'est 42, je crois. Mais bon, au bout d'un certain temps, je vais rechoper les mêmes étrangers. Et là, ça va commencer à moins me plaire. Là, pour l'instant, ça me dérange pas. Je veux dire, je commence à avoir un très beau Pokédex qui peut traduire de n'importe quelle langue. Bon, ça m'embête d'avoir eu quelques Pokémon français quand même. J'aime les jeux vidéo. Je collectionne les Pokémon chromatiques. Goody Girl, États-Unis. Je collectionne les chromatiques, ça me fait peur. Hein. Je vais donner de magnifiques Evoli à Goody Girl. Il va collectionner des Evoli Shiny s'il les met dans la grange. Très bien. Pokéball, go! Un Titar! Donc celui-là, je vais le faire évoluer en Tartar ou en Tarfo, je sais. Il faudrait une Roche Royale. Un Poliwag. Mais bien sûr, j'en prendrai soin. Il est anglais, ce sera un Tartar. Si c'est un japonais, ce sera un Tarpo. Mais il n'est pas japonais, sinon il aurait eu des caractères bizarres. Comme tout le monde. Il est anglais. Identifiant N. What? N m'a échangé un Pokémon? Enfin, quelqu'un m'a échangé un Pokémon qui vient de N? C'est bizarre. Enfin. C'est déjà bientôt la fin. Ça y est. Je pense que la prochaine fois, je mettrai 50 évolis. J'ai passé tout mon mercredi à faire éclore plein d'évolis. Oui, parce que je fais éclore ces évolis le mercredi maintenant. En stream détente. On peut tout se dire, non, je t'adore. Il y a du Mexique, ah oh. Donc ouais, même les Mexicains, ils ont le droit. Hein.
Et ce sera... Oh là là, j'en ai déjà fait évoluer un, j'en ai un autre. Et normalement, c'est mexicain, donc c'est espagnol. Mariani. Alors, s'il est anglais, ça va pas le faire. Quand je pense que j'en avais chié il y a une semaine, maintenant j'arrive à les avoir par échange miracle tranquillement. Putain, pourquoi je me casse de queue, c'est que je fais des Pokémon ultra rares. Je peux les avoir d'un seul coup là. Oh, il est anglais. Je crois que j'ai déjà. Vérifier. Non. Je vais pas échanger ces Pokémon là, sinon je vais pleurer. Eh oui, j'avais déjà. Ah, est-ce que la boule est plus jolie par contre? Ouais, plus jolie quand même. L'autre avec son sombre beau, elle a l'air moche. Toulou. Attention, évolue femelle. Que tu peux faire évoluer en tout ce que tu veux là. Là, du Noctali, de l'Aquali, de Pyroli, Voltali. Du Givrali. Et à chaque fois j'oublie les noms de ce plante et effet. Allô là? Hein, sérieux? Bah ouais, t'as le droit à un Evoli. Allez. Burster, sérieusement, tu vas avoir un Evoli. Femelle. tu prends un Evoli mâle ou tu prends un métamorphe et tu fais comme moi, c'était du trafic d'Evoli. C'est pas un des miens ça. C'est pas un des miens, c'est une Pokéball. Ah non, c'est même pas une Pokéball, c'est... Ah, ça c'est bon ça. Je vais le mettre dans la grange. Sauf que lui, sûr, c'est un anglais. Fallait que ça arrive, hein. Trafic d'Evoli. GG. Ah, lui, il va me... Vas-y, dis-moi qu'il est pas étranger. Il est étranger. Dis-moi qu'il est étranger. Il est étranger, il est anglais. Ah, c'est un mâle. J'ai changé une femelle contre un mâle. T'aurais pu mettre sur une femelle, cette boule-là. Putain, t'abuses. Mais bon, lui, il va aller directement dans la grange et trafic d'Evoli pour avoir le chromatique. J'ai plus de chance avec elle, son jeu. D'après une rumeur. Hein. Donc ça se garde bien, ça. Donc finalement, j'ai un Evoli de plus à échanger, mais celui-là, il n'est pas niveau 1, il est niveau 20, je crois. Comment ça va? Ya Portugal, Ika, de Lisbonne. Ya. Oh, mais sérieux, quoi. Vous savez bien que j'allais récupérer un Evoli. Je récupère toujours un Magikarp et un Evoli pendant les échanges. Très gentil. Lui, j'ai pas fait évoluer, donc c'est bien. Un fou manque. Maurice, je vais me coucher. Je te dis plus plus. Tu vas pouvoir faire autant de bêtises que tu veux. Allez, c'est les derniers. On y arrive. On fait un très beau résumé parce qu'il y a énormément de Pokémon là. Bonne nuit, les bisous, les câlins, les... Ouais. En toute amitié, hein. Bonne nuit plus plus. Merci de ton passage. Merci d'avoir un peu pourri le chat aussi. Mais bon. Allô là, super, de Sakura en Allemagne. Attention à ton Evoli contre... Eh, vous êtes en forme pour me donner les... Oh là, petit tas encore. Je crois que je l'ai déjà eu. En tout cas, ça fait je sais pas combien de fois que j'ai le droit au même Pokéball bizarre. Faudrait que je regarde sur quel ball il est bleu avec une étoile dessus à chaque fois. C'est un Rapid Ball ou quoi? Non, je crois que c'est un éclair le Rapid Ball. Bon, vérifions la différence entre les deux petits airs. J'ai un petit air anglais et maintenant j'ai un petit air anglais. Niveau 19 contre niveau 25. Celui-là a une Pokéball. Celui-là a une ball bizarre, mais je pense que j'en ai plein. Finalement, j'ai eu plus de Pokéball que ce que je pensais.
Ouais, là c'est le même. Là c'est le même, voilà. Je savais bien que j'avais reçu plusieurs fois le même boulot. Donc hop. Ouvrir le chat est ma spécialité pour remplir le vide. Ouais. Et si je remplissais mon Pokédex plutôt que le chat, ça serait bien. Allez, go. On va faire un point et après je vais échanger ce que j'ai en double en de mes Pokémon à moi. Je vais pas faire d'échange étranger pour l'instant. Comme j'ai dit, ça se fait pas. Mais un jour, je vais en avoir tellement marre, j'ai dit j'en veux pas et je réchange jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Ça va bien, juste ce que j'attendais. Tristan, 1, 2, 3, 4, du Canada. Oh, en plus, avant de mettre les volets étrangers, je dois mettre ton otari. Okay. Et ce sera un tas de morts. Ok. Maintenant. Comment dire, un cobcu québécois. Alors, faisons un petit point maintenant. Non, je vais pas échanger avec des amis, ça va pas. Oh, échange, miracle. Bon, maintenant que j'ai fini mon petit trafic des volis en quelque sorte, il faut que j'échange ce que j'ai plus besoin. Il va être compliqué. Donc j'ai un crabagar déjà, un japonais. Je peux me débarrasser de mon crabagar à moi. Où qu'il est mon crabagar? Je crois qu'il est dans les évolutions spéciales. Il est là, le mien. Okay. Et niveau 8. Et moi. Parce qu'en plus, il faut que je fasse du tri dans tout ça. Oh, je dois faire un tour dans les boîtes. Attendez une seconde. Je vais en avoir des échanges. J'ai un Coxyclac aussi à changer. Vous allez voir, on va essayer de faire du tri dans tout ça. Donc déjà, ce Fantominus allemand, il va aller dans les étrangers. Non. Non. Je fasse une boîte encore spéciale. Les bofs, voilà, les bofs, c'est mieux. Le Fantominus italien, pareil. Lui, ça apparaît en anglais. Que Lorior n'a pas besoin d'évoluer. Il est japonais, il me plaît. Ouais, je sais, je fais la méthode longue, mais c'est pas grave. Je vais aller là. Toi, t'as rien à foutre là. Dans l'eau. Ouais. Ouf, ouf. Mon Coelis à moi. Tu vas finir parmi mes victimes de l'échange miracle. À la place de ce magnifique Goenis anglais, il va me faire compléter par un mes deux pages. Le Porygon espagnol va dans les évolutions spéciales. Ce Pokémon-là est très précieux pour moi. Un Pokémon national, donc un peu de respect. On va m'expliquer pourquoi j'ai un Love Disc ici. En l'eau, avec les autres. Alors, le Pichu français qui pue du caca, il va aller là. Toi, tu vas faire partie des beaufs. Voilà. Toi aussi. Merdouille! Aussi avec les autres. Aussi à ce propos, voilà le mien. Hop, je n'y pense ouais, je m'en débarrasse, hein. Abra France japonais, il va aller avec les Fantominus. Je n'y pense japonais, il va aller chez les beaufs. Facile à faire évoluer. Elle est pas chien.
ici, en dessous. Voilà là. Le bon chien français ne me plaît absolument pas. On va le mettre là. Le loup-garoc allemand. Ça m'en fait deux. Hein. Il y a un loup-garoc anglais, un loup-garoc allemand. Alors là, c'est qui voudra. Hein. Seulement l'un des deux. Je change pas les deux. Le piki-pec. Oui, il va aller avec les autres là-bas. Tac. Alors, cet évoli est très important à mes yeux. Il va aller là. Serpillière espagnol. Oui, parce que j'ai vraiment eu un balai espagnol, oui. Alors, le Magikarp anglais, il me plaît pas du tout. J'ai déjà un Léviator que j'ai changé. Le Coxyclaque est français. Ça me plaît pas, en fait, finalement. Par contre, c'est une femelle. Alors, lui, par contre, ça se garde. Parce qu'on pète en urgence aussi. Le Ramolos japonais, ça se garde, ça va évoluer en Phalagados. Le beau dragon, il va évoluer aussi. Ça, c'est en anglais, je l'avais déjà, je vais pouvoir faire un heureux bientôt. Le Wedetata, il évolue que la nuit, si je ne me trompe pas, il va aller là. Alors, je crois que j'ai deux petits tas anglais, c'est ça? Oui. Il y en a un qui est hypnose, donc l'autre, allez, tu... Ah non, j'ai rien dit. Je garde les deux. Il y en a un que je pourrais faire évoluer en tartare et l'autre en tarpeau. Aucun problème. Alors, le Mimantis, je crois que j'en ai déjà eu un. Non, j'ai des conneries. Donc le Mimantis, il va aller là. Le Crabagar japonais, il va aller à l'évolution spéciale, c'est ici. Il évolue par niveau. Et enfin, le tas de morve anglais. Je crois que j'ai déjà un gros tas de morve anglais. À justifier. Non, j'ai un gros tas de morve français. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser. Ça va être dur. Hein. Je vais le mettre parmi les étrangers parce que c'est un étranger qui me l'a donné. Enfin, il me l'a donné, il me l'a échangé. Mais bon, quand on échange que des évolis. J'ai pas grand chose, dis donc. Donc je vais avoir du taf là, parce que si je les fais pas évoluer, ça va pas le faire. Donc voilà, pour la semaine prochaine, je dois faire évoluer tout ça! Sinon j'aurais plus de place dans mes boîtes pour mes évolis. Et donc j'ai encore deux échanges à faire finalement. Allez, c'est reparti. Pour l'instant on va rester à deux échanges. Doudoudoudou. Oui, il a pété un plomb là le truc de début. Ouais, pourquoi je voulais pas quitter l'échange miracle, c'est pour la connexion internet que j'ai pas. Merci. Si je tombe sur quelqu'un étranger qui veut me faire un échange au plein milieu, et bien qu'à cela ne tienne, je vais lui échanger tous les Pokémon que je veux pas. C'est legit. Et attention, tu seras l'heureux propriétaire d'un nounours. Là où commencent les grosses arnaques. Par rapport à mercredi, il va falloir que je fasse attention parce que la dernière fois j'ai échangé avec un aile d'argent, enfin un truc d'aile que portait Goélis et il fallait que j'évite. Un nounourson niveau 23, là c'est. Bonsoir, exceptionnel de Yann France. Désolé, c'est pas un évoli. Pokéball. Ah, Rocabo, ça va évoluer en Loup-Garoc, ça. Loup-Garoc de jour, pas de nuit. Très bien, Messire Yann. Recruf en plus. Donc c'est pas français du tout.
A l'air d'être anglais, ça aussi. Donc à faire évoluer. C'est chiant à faire évoluer en plus. Et il est bien étranger, il est anglais. Et donc j'ai changé, alors là c'est la plus grosse arnaque que j'ai fait jusqu'à maintenant. Une Goélis femelle niveau 6 qui n'a pas d'objet. C'est un des premiers Pokémon en plus que j'ai eu si je me trompe pas. J'aime les jeux vidéo, les dresseurs en herbe sont super. Senpai, États-Unis. C'est pas comme ça Senpai, mais c'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Ah merde, c'est un Goélis étranger que j'ai changé. Je me souviens pas avoir utilisé un Pokéball comme ça. Pardon. Ah bah je l'ai mérité la ratata, voilà. Ouais, tiens. Que je vérifie les numéros des restes. Je crois que j'ai changé un Goélis français qui m'appartenait pas. C'est pas grave, ça arrive. Excusez-moi. Je pensais qu'il était à moi, mais je crois que j'ai déjà échangé le Goélis. Bon, pas grave. Vérifions quand même ce magnifique ratateur. Et jamais. Il peut être aussi anglais que l'autre. Non, il est tout ce qu'il y a de plus français, dégueulasse, nul à chier. Non, on n'échange pas. Pas de bêtises. Bon, bah voilà. C'est ainsi que s'achève ce magnifique. Cette magnifique séance d'échange Pokémon. Et donc, j'essayerai de réunir une nouvelle boîte remplie d'évolis pour une prochaine fois. Wow. T'es presque comme moi, toi. Regarde-moi ça. Même casquette et tout. Il te manque juste les chaussures et le sac à dos. Restez dans le thème, reste à l'orange. On peut croiser nos doutes maléfiques, c'est rigolo. Oh, salut toi. Dis-moi tout sur toi. Que fais-tu dans la vie? Je suis au chômage. Je fais des petits boulots. Ouh, merci pour les petites pièces. Je vais te dire qu'on est clochard et ça y est. Merci. Enfin bref, allez hop, on quitte. Désolé. Eh oui. Alors, je vais pas m'arrêter là pour ce soir, mais je pense que je vais terminer la séance par une petite séance de capture, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Donc je vais devoir faire une petite pause de manière précipitée. Je vais récupérer quand même un sécateur avec fauchage quand même avant. Alors, dans l'ordre. Dans l'ordre, nous avons... Le Mâconnier, je vais le mettre là. Oh putain, le Rogada. Toi, tu vas là. Le Rogada, il va aller là. What, tu vas... Tu vas aller... Tu vas aller dans évolution level. Tétard, toi tu vas aller là-bas. Oh, quoique j'ai deux petits tards, tu sais quoi, tu vas aller dans... Tu vas aller dans étranger pour l'instant. Quand j'aurais fait évoluer ces deux petits tards en tétard, tu dégages. Alors, le sauve-qui-pou, il va aller dans les évos par niveau. Voilà. Ensuite, il faut que je récupère mon insécateur. Il va me servir. Hop. Voilà. Bah plutôt, je vais reprendre Flamby pour l'instant. Et enfin... Parce qu'il le faut... On va déjà commencer par faire évoluer certains Pokémon. Hein. On va en profiter. Hop, ça, ça va évoluer aussi. Et... Un facile. Je crois que lui, il va prendre un peu de temps, mais ça va le faire aussi. Voilà. Comme ça, j'aurai des pages japonais et tout et tout. Je suis dégoûté, il m'a donné un germignon alors que s'il aurait eu Hérissante, j'aurais été... Mais... J'aurais pété un pont. En mode, ouais, Hérissante, ouais. On va le faire évoluer, on va lui apprendre Fatal Foudre. Oui, parce que c'est le best starter ever, Hérissante. Toute génération confondue. Et là, je me tape le pire en plus des trois. Je préfère aussi à Ligature.
Donc un macronium. Ou un méganium plutôt. Alors, reprenons notre capture. Mais d'abord une petite pause, comme ça je pourrai vérifier toutes les captures que je dois faire. À tout de suite les gens.